Prochain match avec ici du gros gros match quand même. Match assez appréciable qui opposait Belle Belgine qui va jouer boxeur face à Itabashi Zangief. Qui va jouer Zangief, Itabashi Zangief, qui n'est plus maître avec. Qui n'est plus grand maître hein, avec son Zangief depuis maintenant pas mal de temps. Pourtant, la perf est toujours là, il a plus de 90 000 BP, mais bon, il a dû se faire battre par d'autres grands maîtres et donc son statut est descendu. Gief en noir slip hein, quand même face à Belle Belgine. Ça va être un match assez difficile. On va voir comment Belle Belgine va pouvoir gérer ce match avec ce dash arrière là qui évite le high punch, le high kick à la relevée. Et le 360 placé par Itabashi Zangief. Allez, Stan High Punch, Bagro point, très bien joué. Belle Belgine qui essaye de remonter petit à petit. Il se prend un medium punch, attention à cette main verte qui est très malvenue. Dashtray évidemment, on garde son ultra dans ces gars là, on ne la gaspille pas. Dashtray qui passe, enchaînement de light, ex dash hopper, le link réussi. Headbutt, on garde encore l'ultra bien entendu, c'est très bien joué de la part de Belle Belgine qui préfère placer son ultra à un moment beaucoup plus favorable que ça. C'est très très bien joué de sa part. Allez, on zone pour le moment. Belle Belgine est en avance à l'énergie. Itabashi Zangief qui essaye de chercher l'ouverture. Voilà, avec cette magnifique option select sur le Balai Punch qui est parfaitement passé et qui lui permet de placer une ex-main verte plus un petit mix-up de relevé qui lui permet de remporter le premier round. Attention, attention, Belle Belgine en difficulté ici qui prend medium punch. La saving pour arrêter le saut medium kick. Ah non, le dash upper qui va s'écraser dans le lariat. Et le 3-6 kick qui passe avec bourre-presse garanti. Voilà le bas gros point. L'high punch, le titre évité par un back dash, mais il se prend une ex-main verte. L'ex-dash upper qui évite le bourre-presse. Malheureusement, il a quand même pris pas mal de dégâts. La Belle Belgine, ça va être difficile. Saut medium kick, balight. C'est un high punch qui passe. Overhead, allez, Link réussi. Allez, la super ultra, il va passer l'ultra. L'ultra qui va passer, non pas en intégralité, mais il va quand même retirer pas mal d'énergie. Dashtray pour se rapprocher, la saving évidemment. Évidemment, qui n'a pas pris sur Itabashi Zangief. Saving level 3, tentative de sacrification qui aurait pu permettre à Belle Belgine de l'emporter. Mais il était beaucoup trop près et Itabashi s'est fait un plaisir de le choper. Élimination dès le premier tour de Belle Belgine. Qualification pour les quarts de finale d'Itabashi Zangief. C'est vraiment très très chaud et on a la première partie du tableau qui est scellée. À présent, Itabashi Zangief va rencontrer donc le Sagat No Name pour une place en demi-finale.